Bonjour, donc je m'appelle Damien Soulas, j'ai 44 ans, ça fait la 23e année que je travaille sur le centre d'entraînement de l'Est Saint-Étienne à l'Étra. C'est un site de 13 hectares qui regroupe l'équivalent de 8 terrains engazonnés, plus un synthétique et une halle couverte. Sur ces terrains, il y a une plaine de 18 000 mètres carrés qui est en fibré, plus un terrain d'honneur en fibré, SIS grass. Dans notre région, on est sur des amplitudes en termes de température qui sont assez grandes. On peut avoir moins 10 degrés l'hiver avec des cumuls de neige de 10, 15, 20, voire 30 cm. Et un été avec des températures à plus de 35, 40 degrés, avec des périodes de sécheresse de 2-3 semaines, comme on a pu subir la saison dernière, enfin l'été dernier. Ouais, des périodes de 15 jours, 3 semaines sans précipitation. Donc ils sont quand même assez difficiles à gérer sur des terrains de haut niveau. Donc on s'est outillé pour la partie hivernale de bâche. On a une régulation thermique au niveau des terrains qui a été installée à la création. Donc on utilise aussi en cas de neige, en cas de gel. On a des bâches qui nous permettent de couvrir aussi le terrain et de pouvoir ainsi le déneiger. On a outillé nos tracteurs avec des brosses, des lames à neige pour pouvoir dégager les terrains et que chaque fois les pros, au moins les pros, puissent avoir un terrain d'entraînement convenable pour leur séance. Pour l'été, c'est un petit peu plus difficile. On ne sait pas encore gérer les fortes températures. On essaye d'adapter notre système d'arrosage qui est de plus en plus performant et de plus en plus précis avec des sondes d'humidité, un humidimètre encore plus performant, une nouvelle station de pompage qui nous permet de réutiliser l'eau qu'on a déjà, les eaux pluviales, les eaux de drainage, donc pour faire des économies et pour aussi avoir en cas de coupure d'eau de quoi alimenter nos terrains. On travaille sur ces terrains avec une équipe de 5 personnes plus un apprenti. Donc on s'occupe aussi bien des terres sables pour la partie formation que des terrains fibrés pour les professionnels. On a une gestion, l'ensemble des terrains est drainé pour récupérer au maximum les eaux pluviales, plus les excès d'arrosage. On récupère tout dans un étang et on réutilise donc notre eau pour une forme d'économie. Ça nous permet aussi de récupérer les excès de fertilisants qu'on peut avoir, des fois les lessivages quand on a un gros orage après une fertilisation ou même si on reste vigilant par rapport à ça. Donc voilà, ça évite aussi qu'on déverse les excès dans la nature et dans la rivière qui est avoisinante.